Moi, juste une dernière question. Euh, rien d enfin, c'est par rapport à la science, en fait, comment un chrétien, en fait, doit se positionner face à la science et euh, toutes les découvertes scientifiques qu'il qui y a, etc. Il y a pas mal de preuves, mais comment un chrétien doit se positionner par rapport C'est une question d'ailleurs. Il y aura certainement une émission bientôt avec un frère qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui va venir bientôt parce que j'ai eu. Je ne sais pas si tu as suivi le débat que j'ai eu avec une jeune fille de 14 ans à Nice. C'était assez, euh, c'était enrichissant et très enrichissant. Et euh, oui, il y a beaucoup de découvertes tout ça qui sont faites, euh, tel que au niveau de l'anthropologie, au niveau de l'archéologie, tout ça. Et, euh, et euh, mais moi, je, 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 je pensais encore à cela justement hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Euh, le système de datation, par exemple, hein, le système de datation euh, des, 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 des ossements retrouvés, euh, tout ça là. Je me dis ce système-là, euh, qu'il a établi. Hein qui peut dire que ce squelette, euh, par exemple, euh, est âgé de 14 000 ans je veux dire Ça, c'est juste, c'est très approximatif et, euh, et euh, c'est très aléatoire. C'est pas et, euh, et qui était là pour vérifier, pour compter tout ça, pour et euh, y, il y a d'ailleurs certaines découvertes qui avaient été faites et avec ce système de datation. Et aujourd'hui, ben, il y en a qui remettent ça en cause. Parce que les mêmes personnes, hein, souvent, hein, ils remettent cela en cause en se disant, ben, en fait, on s'est trompé, tout ça. Et, et, euh, mais je vous propose, bientôt, il y aura une émission là-dessus. Euh, euh, donc, comment se positionner ben, Nous, on reste d'abord bibliques. Nous croyons que euh, Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu a créé le monde. D'accord. Alors que la science veut nous faire croire que non, le monde n'a pas été créé. En fait, il y a eu un, un, un Big Bang. Et, euh, et c'est ce que je disais justement à cette jeune fille. Je lui disais, mais écoute, tu, tu, tu dis que tu crois qu'il y a eu un Big Bang. Elle me dit oui. Parce que les, les scientifiques en parlent. Je lui dis, mais pour qu'il y ait un bang, un bang, c'est quoi C'est une détonation. D'accord C'est un synonyme. Hein Donc euh, détonation, tout ça. Et, et euh, bon, pour qu'il y ait détonation, il faut qu'il faut que quelqu'un appuie sur une gâchette. On est d'accord donc s'il y a eu un bang et en plus big, donc c'est que quelqu'un a appuyé sur eux la gâchette de ce pistolet. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu, d'accord Donc voilà. Et ensuite, euh, et on nous dit non, il y a eu l'évolution, tout ça. Et puis bon, bah oui, mais on trouve des ossements, tout ça, qui parlent de l'évolution. En fait, il y a un chenon, moi qui, qui 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 manque là. ne l'ont toujours pas trouvé. Hein. Donc euh, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de mensonges, je sais parce que la science veut aussi nous faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'a pas créé le monde, qu'il y a eu un Big Bang, ensuite il y a eu des microbes, il y a eu des, 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 des comment on appelle ça déjà? Des, euh, euh, molécules tout ça et, euh, et ensuite euh, c'était dans l'eau et euh, ça donnait euh, euh, des poissons et puis les poissons euh, et c'est assez tout ça des poissons et puis après c'est les, les, les humains d'abord les singes et euh, non je vous dis que si on nous sommes appelés à évoluer si nous sommes le produit de l'évolution donc ça veut dire que demain on risque d'avoir quatre cinq jambes hein, euh, ou trois quatre cœurs parce qu'on est, à plus, selon eux, à évoluer. Non, je crois que la science, selon euh, ces hommes, la science plutôt est une science euh, qui amène les gens à regresser, à, à douter du Seigneur, parce que Dieu a créé toutes choses. Alors on va parler des dinosaures, alors comment c'est les dinosaures, parce qu'on retrouve quand même certains ossements, il hein, n'y a, a pas de problème, mais c'est simple à expliquer. Hein. C'est simple. Oui, les dinosaures existent. Il y a, il y a encore, vous savez qu'il y a encore des espèces euh, animales qui sont découvertes euh, aujourd'hui donc on n'a pas tout tout découvert et euh, ils n'ont pas encore l'homme n'a pas encore véritablement exploré les fonds marins et euh, c'est impossible la pression est tellement forte il y, a des, il y a des endroits donc il y a certainement des animaux énormes qui sont encore qui sont là qui sont sous, euh, qui, sous, les, sous les eaux et euh, qui ne sont pas encore découverts et euh, et puis, on croit que aussi, moi, je crois aussi qu'une partie euh, de ces grands mammifères, euh, fait beaucoup, euh, ont connu cette extinction par, non, par une espèce de météorite qui serait écrasée sur la Terre, mais plutôt avec le déluge, certainement. Bon, oui, il a conservé euh, certains animaux, tout ça, c'est vrai, mais euh, je crois que une grande partie euh, de ces animaux a été balayée par le déluge, tout simplement. Voilà, voilà.